Le 28 juillet dernier, le procureur spécial Prelakriev, Cour de répression des infractions économiques et financières, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Téliano, leader du parti Rassemblement pour le développement intégré de Guinée, RDIG. Selon Ali Touré, l'ancien ministre de l'Agriculture est accusé d'un détournement présumé de 257 749 955 058 GNF dans l'achat d'engrais, de phytosanitaires, d'équipements, de semences pour la campagne agricole de 2011-2012. Silencieux depuis cette annonce, l'ex-député Jean-Marc Téliano a finalement décidé de briser le silence pour donner sa part de vérité dans cette affaire. Pour lui, l'accusé d'un détournement de 257 milliards de francs guinéens dans les années 2012, sous le contrôle d'un comité interministériel, révèle une plate et triste méconnaissance du circuit de finances publiques de ce pays. Il dit attendre la justice de pied ferme. AfricaGuinée.com vous propose ci-dessous la version du leader du RDIG sur cette affaire. Peuple de Guinée, peuple du 28 septembre 1958. J'ai été outré et surpris d'apprendre à la télévision nationale et sur les sites, des dénonciations calomnieuses pour ternir mon image en ma qualité de citoyen, leader politique, ancien député et ancien ministre de l'Agriculture de décembre 2010 au 5 octobre 2012. Permettez-moi de vous donner quelques éclaircissements pour connaître de quoi il s'agit exactement. J'ai été nommé ministre de l'Agriculture le 22 décembre 2010. Un an après, mi-février 2012, le gouvernement a initié une campagne agricole pour appuyer la paysannerie guinéenne en intrants et équipements agricoles. Pour la mise en œuvre de ce vaste programme, il a été décidé en Conseil des ministres de la mise en place d'un comité interministériel composé de 8,08 ministres dont ministre du Plan, Monsieur Souleymane VI, ministre du Contrôle économique et des audits, Monsieur Aboubakar Sidiki Koulibaly, ministre du Commerce, Dorval Doumbouya, ministre de la Sécurité, Feu Général Mamadou Batoto Camara, ministre de l'Élevage, Feu Général Mamadou Korka Diallo, ministre des Transports, Monsieur Ahmed Tidiane Traor, ministre du Budget, Monsieur Mohamed Diar, ministre de l'Agriculture, Monsieur Jean-Marc Téliano. Le dit comité était présidé par le ministre du Plan d'alors, Monsieur Souleymane VI. Je précise que le ministre de l'Agriculture n'était qu'un simple